Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire général de la jeunesse de l'UFDG, monsieur le coordinateur de l'UFDG de l'intérieur et de l'extérieur, mesdames, messieurs, comment un responsable, même s'il est malade, peut rater un événement comme ça? Ce n'est pas possible. Même quand on est malade, quand on voit ça, on est guéri. Monsieur le secrétaire général, je ne pouvais pas ne pas être là malgré mon état de santé. Je tiens à féliciter, le comité national des jeux de Grand Conakry. Vous avez prouvé à suffisance que l'avenir est rassuré pour l'UFDG pendant des années et des années. Nous sommes aujourd'hui convaincus, avec cette démonstration, ceux qui avaient encore des doutes, que l'UFDG demain peut gouverner incontestablement avec un projet de société. On a peur. Voyez ces jeux. Ils n'ont absolument rien à apprendre. Ils sont prêts à gouverner ce pays. Nous sommes prêts parce que nous savons que demain, l'avenir c'est vous. L'avenir c'est la jeunesse. Et l'UFDG est parvenu avec le comité national des jeux à préparer l'avenir de ce pays. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, et je vous invite vivement et maintenant à aller rencontrer toutes les formations politiques, les jeux des formations politiques, les autres partis politiques. Allez les rencontrer, prenez le leadership, amenez-les, les uns ensemble. Pour les expliquer que ce qui compte, ce n'est pas le patrimoine, c'est l'avenir. Et que l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. Et que l'UFDG demain, c'est un parti qui est prêt à gouverner avec tous les jeunes. Je l'ai dit et je le répète ici. L'UFDG ne sera jamais un parti d'État. C'est un parti, ne sera jamais un parti d'État. Le parti sera parti, l'État sera l'État. C'est à cela, monsieur le secrétaire général de la jeunesse, je sais que vous êtes très efficace. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez toujours été majeur de votre profession. Et il est un honneur d'être non seulement votre parrain à l'université, mais votre parrain aussi pendant votre voyage. Je sais que vous. Le président Sérou devait intervenir. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Aujourd'hui, la preuve est là, incontestablement. Et comme je l'ai toujours dit, l'UFDG le président Sérou, c'est un pantalon avec deux poches, un lit social. Vous avez prouvé, et les responsables qui sont là, la jeunesse, que nous sommes tous derrière le président Sérou et nous croyons au projet de société du président. Il faut qu'on se mette au travail. Il y a beaucoup de défis. J'ai pris mon téléphone tout à l'heure. J'ai vu qu'on est en train d'inaugurer le UFI. Le UFI à l'aéroport international. On veut en faire un événement. À l'aéroport international, il y a l'UFI. On veut en faire un événement. Je ne sais même pas depuis combien d'années on a le UFI ici. On a le UFI dans notre bureau. On a le UFI partout. Ce n'est pas un événement, on ne peut pas créer, aller inaugurer le UFI. Dans tous les pays au monde, dans les aéroports un peu partout, aux États-Unis, dans tous les pays au monde, vous avez le UFI quand vous pouvez faire le UFI. Et on considère que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un événement. On ne peut pas quand même inaugurer le UFI à l'aéroport. C'est le droit de tout le monde, on n'a pas besoin.
C'est pour cette raison, monsieur le secrétaire général, que vous devez vous mettre à la tâche, travailler pour aider ce pays. Je ne reviendrai pas sur ce que Christine nous parlait tout à l'heure concernant le mouvement FNDT, c'est ça? Je pense honnêtement, celui qui est à la tête de tout mouvement est connu. Ce qu'il a fait au président Dalis, c'est ce qu'il veut faire au colonel Bouya. Que Dieu aide la Guinée et sauve le colonel, sauve la transition. En ce qui nous concerne, l'UFDG, notre souhait le plus ardent est que ce pays-là se calme. Notre souhait le plus ardent est que les Guinéens soient réconciliés. Notre souhait le plus ardent est que ce pays sorte de la situation de précarité. C'est le combat que nous faisons la partie par rapport à ça. Mais que Dieu sauve nous maintenant. Parce qu'il y a quand même dans ce pays des opportunistes. Le capitaine Dennis est dans son procès. Tout ce qui était autour de lui, qui faisait des moments de soutien, ne sont même plus visibles. Ils n'ont même plus envie qu'on dise qu'ils connaissent le capitaine Dennis. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Ne répondez pas à certains partis politiques. Quand il est le parti politique a reçu un véhicule, a reçu de l'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé d'aller dire, même, il est capable d'aller dire des choses que lui-même il ne croit pas, mais qu'est-ce que tu veux? Comment quelqu'un peut dire que ce qui était hier n'est plus aujourd'hui? Et que l'UFDG n'est plus l'UFDG aujourd'hui? J'ai dit tout ça. Les deux l'appellent sa monnaie. Donc, comment est-ce? Parce que si le président, colonel Bouya, accepte d'organiser des élections très rapidement, c'est lui-même le parti politique. Ne seront plus sous dans ce pays. Ils vont quitter définitivement la politique. Fini. Donc je vous prie de ne pas les écouter. Laissez-les. Ce n'est même pas la peine de les répondre. Si vous les répondez, vous les donnez de l'importance. Monsieur le secrétaire général de la GIE, ce qui compte, c'est les élections. Les élections se gagnent par l'organisation que nous devons mettre en place. Les élections se gagnent par notre capacité de continuer à faire du FDG le plus grand parti. Vous avez commencé un travail de formation. Vous devez continuer à aller dans les quartiers, mobiliser la jeunesse, informer, sensibiliser, expliquer et rassurer les Guinéens que demain, dans ce pays, avec l'UFDG, il n'y aura pas de solution. Et que dans ce pays, demain, on ne parlera pas du peuple de Maliki, de Soussou ou de Forestier, on parlera du Guinée. Rassurez-les qu'avec le président Sénou, avec son carnet d'adresse, au moment où je vous parle, il a voté que l'ancien président du Ghana, c'est ça? De l'ancien président du Ghana, il a voté de lui. Il est invité dans les conférences, un peu partout. On n'a plus besoin de démontrer que le président Sékou a la volonté de vivre ce pays. C'est ce message qui est passé. Nous sommes là, nous sommes disposés à utiliser la porte de l'UFDG et grandement ouverte. Si on organise, si on donne la date des élections, demain, nous sommes déjà prêts. On n'a plus besoin de faire comme les autres. On a qui aller rassurer notre monsieur le secrétaire général. Nous sommes tellement fiers de vous. Tellement fiers de cette jeunesse. Que j'ai voulu humblement de continuer ce travail. Vous êtes immortalisé par ça, tout comme la vie. Et ce jour-là sera un jour que nous allons fêter, car le président Sékou Dalé sera au pouvoir très bien. Nous allons maintenir la date de ce jour-là, et ça va être la date de la jeunesse du Comité national des jeunes, que nous allons fêter très bien. C'est sur ce que je voudrais là pour féliciter au nom du président Sékou qui n'a pas pu intervenir, féliciter la presse qui nous accompagne et pour dire que l'UFDG, c'est l'UFDG.
Vive la Guinée, vive l'IAPG, vive le président.